Métro. Chez Métro, le rôti de côte de bœuf, le rib steak, là, à 5,99 la livre, ou si tu peux faire 13,21 le kilo pour du rôti de côte. C'est super. Ça ressemble au tomahawk, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même coupe exacte. Mais ça peut. Celui-là ici, tu vois, là, l'autre est en tranche de tomahawk haché IGA, tandis que là, c'est vraiment le rôti. Tu le gardes, hein, comme ça, hein, tu le dégraisses pas ça. Là, tu le fais, tu saisis toutes les bords, tous les côtés, bien comme il faut, là. Tu le mets au four, toi, pour qu'il vienne une belle coupe. Là, tu le coupes là, entre les os. Là, puis ça te fait des belles tranches effrayantes de côte que tu mets dans l'assiette. Hey, ça, là, j'en parle, puis j'en bave. C'est tellement bon. C'est goûteux, c'est sûr. Fait qu'à 13,21 le kilo, pour cette protéine-là, vraiment, à ne pas manquer, c'est super, c'est chez Métro que ça se passe. Aussi, chez Métro, ben écoute bien, le filet mignon, mais là, il est paré. Ça veut dire que tu as l'œil, là. Hein, normalement, la plus grosse partie du filet mignon, donc la. Tu sais, tout paré, tout dégraissé. Donc, si tu n'es pas, pas vite sur le couteau, tu n'as pas de dextérité, c'est sûr que même quand il est paré, il y a toujours une petite membrane. Hein, comme, tu sais, là, celle-là, faut que tu l'enlèves absolument parce que ça ne fond pas, ça. C'est pas du gras, c'est une membrane. Puis une membrane, c'est raide en bouche. Tu as du filet mignon, puis tu pognes un morceau de membrane, c'est très désagréable. Donc, c'est au moins, même s'il est paré, tu y enlèves quand même, ce truc-là, pour que tu sois sûr que tout le monde soit bien heureux. Tu enlèves la petite membrane. Mais écoute, le coup de titre de filet mignon, je regarde 13,99 la livre, ou si tu préfères 30,84 le kilo. Fait que si tu regardes, mettons, des filets mignons qui est tout entier, à peu près à 20$ le kilo, un coup, tu vas l'avoir paré. Si tu garderais les pertes, là, parce que c'est plein de gras quand même que tu vas jeter, que tu ne mangeras pas, que tu vas mettre de côté. Donc, si tu payes ça, puis tu regardes, ça te revient à peu près, si tu es bon, à ça, 30$, 33$ le kilo. C'est un coup tout paré à ton goût, bien comme fou, c'est sûr, là. Tandis que là, tu l'as déjà tout paré pour ce prix-là. Donc, la membrane, c'est facile à enlever, puis ça, c'est pas une grande perte, là. Il n'y a pas beaucoup de pertes, c'est juste de l'enlever, c'est sûr. Mais écoute, c'est vraiment la super. Je te dirais le filet mignon cette semaine qui est le plus facile à préparer. Hein, parce qu'après ça, tu peux couper des steaks avec ça aussi. T'es pas obligé de le manger en rôti. Si tu veux faire, tu peux faire des belles grosses tranches de steak, l'épaisseur que tu veux, là. Là, ça commence à être intéressant, à maudit, là. Écoute, avec une belle petite sauce au poivre, là. Ça peut être délicieux. Fait que ça, c'est chez Métro que ça se passe. Puis chez Métro, ben écoute, comme je t'ai dit, le filet de saumon un peu partout. Encore là, il l'a au même prix partout, hein. 7,99 la livre ou 17,61 le kilo. Je sais pas s'ils se parlent, mais s'ils se parlent pas, ils sont connectés sans le savoir. Parce qu'on dirait qu'ils sont faits les mêmes spéciaux un peu partout, là. Il y a quelque chose là-dessous. Parce que c'est chez Métro que ça se passe, puis c'est ça qui est ça pour chez Métro. Fait que c'est ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.